Je m'appelle Gloria. Je suis une petite fille et toujours souriante. Avec moi la journée est top dès le début. Si tout va mal pour toi, si tu n'as plus d'espoir, t'inquiète pas, viens me voir et on va s'éclater. La belle. Oui papa. Je devais te parler depuis. Mais j'ai pensé que ça pouvait te frustrer. Et qui est mon papa chéri? Comment? Attends papa. Comment tu mets le chapeau comme ça papa? Ah. Non, ça comme ça là. C'est comme ça qu'on met le chapeau mon père. Ma fille, tu es encore derrière. Maintenant on s'habille, on met le chapeau comme ça là. C'est la mode maintenant. Tu regardes? Moi je suis encore très jeune. Voilà. Papa, ça veut dire quoi? Mais c'est la mode maintenant. Ah. Ah, papa, c'est que j'ai de bon, ça. De toutes les façons, ce n'est pas ça l'importance. Je voulais te dire ceci parce que ça fait depuis que ta maman est morte. Moi, je suis resté comme ça. Mais actuellement, je me suis décidé à prendre une femme. Ah bon? Mais oui. Papa, tu as trouvé une autre femme? Oui, une autre femme, c'est déjà trouvé. Waouh! Maman, ça mérite une danse. Non. C'est ça ma fille. On va organiser. Mais on va organiser ça. Une démonstration. Papa, c'est trop content. Papa, dis-moi, elle est comment? Elle est brune, elle est noire, elle est comment, papa? Mais tu sais, elle est blonde, elle est noire, elle est comment? Elle a quelle taille? Elle est grande de taille, elle a moyenne de taille. Papa, on veut savoir. Elle est belle, elle est jolie, elle est mignonne. Et je peux vous la présenter, mais. Tout de suite. On va aller chez elle. Non, elle est là-dedans. Elle est ici devant la porte. Oui, je vais vous faire une surprise. Ok, bon. Papa, d'accord. Bon, je vais la chercher. On s'arrange comme ça. Comme bonsoir. Je sais pas quelle dame des filles, comme si. Celle que je veux l'épouser. Oh, bah, tu vois pas que c'est mon amie? Au contraire, c'est une bonne chose que je sois ton amie. Surtout ton amie d'enfance que tu maîtrises très bien. Papa, 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 réveille-toi, papa, ouvre les yeux. Cette fille doit t'utiliser, papa, s'il te plaît. J'ai mal au pied. Va t'asseoir là. Merci. T'asseoir, là. Merci. Et en passant, s'il te plaît, la belle, ma valise, pour que ça soit dans ma chambre. Attends, tu t'adresses à qui? Il faut que ça soit. Tu t'adresses à qui? C'est pas récent pour que je t'aurais donné une bonne baffe! Ok? La belle. Ma fille, prends ça. Je suis en train de dire que tu vas mettre dans ma chambre. Papa,
Papa. Pour rien au monde. J'ai dit pour rien au monde, on va nous passer dessus. Papa, j'ai dit non. J'ai dit non. Non et non. Jamais de la vie. Jamais. Vous allez me passer dessus. Toi, la vipère, ici là. Toi et moi, dans cette maison. Tu as adopté mon père, non? Maman, laisse. Je vais partir mettre la valise dans la chambre du grand frère. Hey! Oh, 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 oh! Papa, je suis ta fille. Et à jamais je pourrais te vouloir du mal. Papa, s'il te plaît, fais sortir cette fille. Papa, fais sortir cette fille. Jamais. Papa, tu connais même qui est cette fille? Cette fille, c'est le Kenavu. On appelle le Kenavu partout au quartier, papa. Le Kenavu, c'est quoi? C'est l'arachide du deuil. Ça veut dire que tout le monde passe, il prend, il passe, il prend, il passe, il prend, papa. Ah. C'est à l'outil de tout le monde ici. Bon, comme c'est le Kenavu, je suis passé à mon tour. J'ai pris le tout. Toi qui m'appelles Kenavu, là. J'étais Kenavu hier. Mais aujourd'hui, je suis ta belle-mère. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Ma belle-mère, même dans les rêves, continue à planer dans l'air, ok? Rêve! Et ne te réveille jamais. Papa, cette fille était comme une fille pour maman. Maman a changé ses couches, papa. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu te permets d'épouser cette fille. Papa, réveille-toi, tu vois pas que cette fille c'est une profiteuse? Jamais, jamais. C'est mon coup. Papa, tu as pris ta décision, n'est-ce pas? J'ai pris ma décision. C'est celle-ci qui serait ma femme. Je vais l'épouser. Tu vois, elle m'a changé en quelque temps. Ok. Ok. Blanche, la partie ne fait que commencer, de toute façon. Tu ne perds rien pour attendre. Rira bien qui rira le dernier. Même s'il me faut mettre la main n'importe où pour toi. Tout à l'heure, la belle, tout à l'heure. Écoute, chérie, tout ce qu'elle dit là, c'est du blablabla, c'est la loupe. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout ce qu'elle parle là, ça entre ici, ça sort là-bas. Et en plus, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Allons dans ma chambre. D'accord, chérie. Laisse-moi passer. Merci. Calme-toi, ça va passer. Calme-toi. Mec 2. Tata Blanche pense qu'elle peut venir mettre ma famille dans les problèmes. Mais elle ne va pas réussir. J'aime le jeu qui commence et je vais bien m'amuser. Gloria, tu sais ce que tu as à faire. Avec Tata Blanche. Pardon. Maman. Et ils t'ont dit où ils partaient? Exactement, quand grand-père sortit, il était content, il était joyeux. Et que Tata Blanche avait porté les salamandres. Mais le salamandre, c'est quoi? Tu comprends le salamandre, maman?
Non. Les longues chaussures, là, 2,50 m, non. Ah. Mais bien. On appelle ça les talons. Moi, j'appelle ça ça, Amanda. Toi, et toi, l'homme est fini. Attends, dis-moi, j'espère que ta coiffure ne te fait pas trop mal. Non, moi, ça va, ça va. Ça va pas mal. Tout à l'heure, elle est tressée, là, tu veux que. Comme c'était le crochet, non, ça faisait. Mais ça va, ça fait pas mal. Belle soirée, tu peux pas savoir. Tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Mais pourquoi je ne t'ai pas rencontré depuis? C'est une démonstration alors. Bon, voilà. Attends, voilà. Position. Aïe! Merde! C'est quoi ça? C'est comme ça que tu t'as bien le matin. Écoute, ma petite Gloria, j'ai changé, j'étais le petit, c'est le cas. Je ne suis pas beau comme ça. Papa, mais tu n'as plus 8 ans quand même. Papa, ça veut dire quoi? C'est quel genre d'habillement ça? Blanche, c'est comme ça que tu as transformé mon père? Tu as vu ce que je disais, non, chérie? Je t'ai toujours dit, la villageoise, elle ne veut pas ton évolution. Elle ne veut pas que que je te transforme en jeune. Tu veux que ton père reste toujours vieux? Tu sais qui est villageoise? Profiteuse! Tu ne sais pas que. Tu, au contraire, tu devais même plutôt me remercier d'avoir transformé ton père. Tu sais pas que c'est pour ça qu'on s'habille en France? En France, hein? Toi, j'ai été en France. Toi, j'ai été en France. Faut aller sur Google. Faut aller sur Google. N'importe quoi. Chérie, moi je vais me fâcher. Écoute, moi je vais me fâcher, écoute, je t'ai dit. Non, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. N'écoute pas ce qu'elle dit là. Va nous mettre la musique, nous on danse. Quoi? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Non. Non, abomination! Maman! Maman! Non, mais tu as les fichiers! Non, viens! Viens! Ike, danse avec, avec nous! Danse! Ike! C'est quoi? Bon, t'es comme ça! Ah. Non, t'es encore! Ah. Nice. Mademoiselle. Mademoiselle. Donc je t'ai réveillée pour que tu viennes te coucher ici. Je vous ai dit, chez moi, à 6 heures, tout le monde va être debout pour travailler. Vous prenez pour qui même? Je dois travailler pour vous? C'est à moi que tu t'adresses. Ce n'est pas toi la belle? Bien sûr que c'est à toi que je m'adresse. Tu me connais assez. Ne me cherche pas. Fais très attention. Je te rappelle que ma maman a transpiré pour construire cette maison. Avec la sueur de son front. Elle a dépensé de l'énergie. Stop. Stop! Elle a fait son temps. Et maintenant, c'est moi le nouveau gouvernement, tu comprends? Et vous allez marcher selon mes lois. Mec de... Attends. Tu sais que tu es le nouveau gouvernement. Tu n'as même pas encore fait une semaine ici. Mais tu fais déjà le remaniement. Mec de... Maman, à la limite, on va me s'en sortir avec elle. Tata, je te donne les mains, je vais te les pieds sur ça. Tu es forte. Tu vas là. Tu es bien. Tu vas là. Calme-toi, calme-toi, ma Dieu.
Je suis fâché. Si je parle comme ça trois fois, je veux te transformer. Tu ne sais pas que c'est ma princesse ici. Papa, mon chocolat. Papa, il est inadmissible que tu prends une fille de 15 ans pour qu'elle me parle de n'importe comment dans la maison de ma mère. C'est la maison de la maison. Une femme d'autorisation. Calme-toi. Je veux la voir. La belle, attends. Écoute, la belle. Écoute-moi bien. Et je te dis. Je vais me fâcher dans cette maison. Tu tapes sur ma femme, sur mon chocolat. Ah, moi, je vais aimer hein, ça. Hein? Mon papa a colisé, tu tapes sur elle. Hein? Celle qui m'a. Genre, celle qui m'a rendu comme ça, regarde comment moi je suis jeune. Hein? Papa, voilà. Papa, écoute-moi. Papa, si tu veux le bien de cette fille, fais la partie de cette maison, papa. Blanche, toi et moi dans cette maison, tu t'es déclaré la guerre. À la guerre comme à la guerre. Vous allez sauf que l'entendre dans cette maison. C'est la gouvernante de la maison, ici. Ma princesse, ça va un peu. Ça va pas. Hein? Non, attends. Allez, moi, je suis le médecin. Non, attends. Je vais appeler le médecin. Bon. Manipulatrice. Allons dans la chambre. Profiteuse. Alors, je peux pas me lever. Non, attends, prends courage. Prends courage, appuie ta main. Prends ta main. Il va mourir. Que ce soit la dernière fois. Je veux plus attendre. Manipulatrice. On parle. Comment ça? Sorcier. S'il te plaît, Seigneur, je t'implore en ce moment. Viens régner dans la vie de ma mère, de mon grand-père et de moi. S'il te plaît, viens régner dans nos vies, je n'en peux plus. Fais que Tata Blanche puisse partir. Elle détruit notre famille, monte notre grand-père contre nous, s'il te plaît, t'en supplie. Au nom du Saint-Esprit, je te prie. Amen. Maman, tu sais qu'aujourd'hui c'est vendredi. Il n'y a pas vendredi, Gloria. Ouais, je pense. C'est que quand il pense à Blanche, là, j'ai le macabo comme ça. Donc, c'est comme si un gros macabo était calé ici sur mon cou. La rage que pense à cette fille. Non, maman, c'est pas ça. C'est que maman, c'est aujourd'hui que grand-papa à la banque a touché son argent. Ah oui, il avait demandé qu'on le rappelle. Tu l'as déjà rappelé. Maman. Ok. Enfin, j'espère que cette fille va nous coller la paix. Profiteuse. Qu'est-ce que je veux? Grand-père où? Il est dans la chambre, maman. Il s'apprête. Hein? Maman. Wow! Le papa de qui? Papa, c'est comme ça que tu dois t'habiller. Tu dois t'habiller comme ça en responsable. Homme décent. Oh papa, là maintenant, tu te valorises. Ça c'est mon père. Ne m'embrouille pas la belle, ne m'embrouille pas. Ça c'est la classe papa. Ne m'embrouille pas, je suis fâché contre toi. Mais de grand-père, tu es chaud, tu es classe, tu es mal. Alors, je suis aussi fâché contre toi aussi. Et grand-père, tu es fâché contre moi. Bon, comme je disais, je m'en vais à la banque pour toucher les 15 millions. Oui, papa, je sais. Bon, dès que je vais toucher, je vais te donner 5 millions. Tu vas ramasser tes affaires et aller louer un appartement ailleurs. Je me ramasse mes choses. Écoute-moi. J'ai donné 5 millions à la Blanche. Moi, je laisse affaire 5 millions pour moi. Quoi, papa? Papa, tu donnes 5 millions à Blanche et qu'elle a travaillé quoi? Pour mériter ça? Papa. Tu n'es pas sérieux quand même. Écoute la peine. Cette fille m'a montré tout. Le soleil, la lune. Et elle m'a rendu. Mais comment je suis? Regarde comment moi je suis. Hein? Elle m'a ouvert les yeux. Moi j'étais dans le noir. Maintenant je vois clair. Papa. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Voyons, papa, figure-toi que cette fille ne t'aime pas.
Tata, il y a un tonton là-bas qui te cherche. Tonton comment? Oui, il est un peu grand, brun et il est fâché, il a bien rouge. Il est très fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Chut, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici comment? Je te cherche depuis une semaine, chut, je te vois pas. Laisse-toi, s'il te plaît. Et je t'appelle, ton nom ne passe pas. Mais Gloria, c'était qui? Ma soeur, tonton qui veut voir Tata Blanche. Il est fâché, fâché. Il est bien fâché, mais comme ça. Il veut voir Tata Blanche. Et qui? Un tonton. Maman. C'est qui ça? Quelqu'un cherche Blanche jusqu'ici? Non. Et jusqu'à être fâché encore. Oh, oh. Allons voir ce qui se passe là-bas d'abord. Tu vas tout gâcher s'il te plaît. Mais gâchez-toi en fait. S'il te plaît, alors je mets le renseignement, on me dit que tu es dans ce palace. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, tu sais, c'est ta maison? Je suis en train de gérer un dossier. Pourquoi tu prends pas mes appels? Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire parce que j'étais en train de gérer un dossier, chérie. Écoute-moi et comprends-moi. J'ai fait une semaine à supporter un vieillard, un vieux. Et en plus, depuis quand tu gères les dossiers sans moi? Et pourquoi tu prends pas mes appels? Je ne pouvais pas le faire. Tu vas tout gâcher s'il te plaît, chérie. Mais gâchez-toi en fait. Là maintenant, si tu gâches tout, on va perdre 5 millions. Non, mais attends. On va perdre la maison. Chut. Calme-toi. Tu parles d'un dossier de 5 millions et tu ne me gères pas? Si tout va bien, si tu marches bien, d'ici quelques heures, on sera en possession de cette maison et de 5 millions. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait part du deal? Chérie, pourquoi je tu ne m'as veux fait pas, part je vais t'expliquer ça. Non, mais arrête. Tout à l'heure, s'il te plaît, descends, s'il te plaît. Et tu as fait une semaine pour gérer un dossier, un seul dossier, une semaine? Je suis à quelques heures, je vais mais finir. Mais là, je ne reconnais plus, là. S'il te plaît. Une semaine, un dossier? Chérie, tu sais que je t'aime. Mais c'est quoi cette tenue? Tu vis avec lui déjà? Tu es amoureuse? Tu es amoureuse? C'est pas ça, c'est pas ça. Mais lâche-moi, je n'ai plus professionnel là. Il n'y a plus de professionnalisme. Calme-toi, tu vas te gâcher. Une semaine, j'ai un dossier depuis quand? C'est de, s'il te plaît, écoute. Chérie, s'il te plaît, descends, je vais descendre. Je descends pas. Je t'en prie. Je veux voir le mec là. Fais-moi confiance. Je veux le voir. Fais-moi confiance. Je veux voir le mec qui a pris ma femme pendant des semaines, pendant une semaine. Calme-toi, je veux le voir. Je descends pas. On a assez géré les dossiers, on a assez géré les dossiers. Je veux le voir. Je veux le voir. Merci. Chérie, je t'en prie, descends. Tu as vu maintenant? Tu as vu? Mais c'est qui? À cause de ta jalousie, voilà, on a tout gâché. Non, je ne peux pas me faire confiance pour toi. C'est le mec, je veux voir le mec qui t'a lâché. Le mec, c'est lui là. C'est lui. Regarde, pour un vieux, tu crois que je peux te lâcher pour lui? On était au point de réussir maintenant à cause de la vie, on a tout lâché. Sans mon reproche. Comme ça, maintenant on a eu quelqu'un dans sa vie. Bravo. Bravo la blanche. Bravo. C'était ton plan. C'était ton plan pour me séparer de ma fille et de ma petite fille. Tu vois ce que tu as fait? Toujours avec tes poumes de jalousie. Regarde maintenant. On va faire comment des 5 millions. Et la maison. Hey, maman. C'est un génial. On va trancher ça maintenant. J'arrive. Vraiment. Quel kilo. De toute façon, soit ça chigolo, ça permet de me parler mal. Tu veux te permettre de me parler mal? De toute façon. Oh ma fille, tu connais. Voilà. Tonton, prends ton paquet. Bye bye. Bye. Chérie, descends pas. Tiens. Adios, au revoir, goodbye, bye. Hasta la vista, hasta la próxima. Bye. Adios. Enfin, mon papa est libéré. Papa, tu vois non? Papa, tu as vu? Ma petite Gloria, je vous demande pardon. Papa, non, moi je refuse le pardon, papa. Non, parce que tu ne nous as pas fait confiance.
Tu as fait confiance à une fille que tu as à peine rencontrée. Tu es notre papa chéri, on n'est pas des papas. On est libéré, délivré. Enfin! Vous, messieurs femmes, n'oubliez pas d'être obéissants et toujours respectez vos parents.